Alors le prix littéraire a 6 ans aujourd'hui et depuis 6 ans, nous organisons dans toutes les résidences de Métis un club de lecture. Donc tous les résidents qui le souhaitent peuvent participer. C'est une réunion qui a lieu à peu près toutes les 6 semaines. Chacun a à peu près 6 semaines pour lire l'ouvrage et vient à cette réunion pour en discuter, donner son avis, partager les points de vue des uns et des autres. Voilà, c'est un moment très convivial. Qui est apprécié, c'est les principaux retours qu'on a, c'est que ça crée de l'échange, ça crée du lien entre les lecteurs de la résidence. Et c'était le but vraiment de ce prix littéraire qui était un prétexte à la rencontre autour de la lecture. The postman is gone missing, some say he's out there chilling, blessing. C'est magique en fait, c'est-à-dire qu'entre la première édition et l'édition de cette année, il s'est passé tellement de choses. Tout est allé en s'amplifiant. Les lecteurs, les lectures, les échanges et résultat en fait, entre l'idée qu'on a eue au départ de ce prix avec Domitis, puis la manière dont nous on s'est incorporé là-dedans, et cette année, voilà, c'est effectivement, il y a 6 ans, on nous aurait dit, comment vous imaginez, qu'est-ce que vous auriez aimé que ça, on aurait dit ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors la sélection de cette année, je l'ai dit à Stanislas, j'ai trouvé que c'était une des meilleures, même si on a eu des petits reproches sur justement le roman policier qui s'appelle Le Fils, qui est effectivement un univers sombre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une sélection très 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 intéressante et très diversifiée. Et en plus, comme à chaque fois, on voyage dans des continents différents. Et malgré tout, même si les résidents nous demandent des auteurs français, on se rend compte qu'ils apprécient eux aussi de découvrir des auteurs de littérature étrangère. Et je trouve ça très sympa. Ah, disons que ça aide à passer des mauvais moments, des moments de cafard, ça passe. Retrouver des amis et pouvoir comparer les idées de ce qu'on a sur ce livre. Moi aussi j'ai rencontré des personnes très intéressantes et puis je trouve ça très bien d'échanger autour du même livre les idées qui sont parfois différentes, mais je trouve ça très enrichissant. C'est une initiative qui permet aux collaborateurs de se retrouver autour d'une activité, d'une passion qui est différente que celle du travail quotidienne. Que ce soit dans le même style, que ce soit un peu sur tous les sujets. Oui, que ce soit pas tous. Pour s'inscrire, c'est très simple, il suffit de vous rapprocher de la résidence la plus proche de chez vous. Vous vous adressez à l'animateur de l'équipe qui saura vous donner la date de la réunion de présentation, de la sélection et vous expliquer le fonctionnement du club de lecture. Oui et non. Alors non, parce qu'en fait, l'idée c'est d'en faire une sélection qui soit meilleure que celle de cette année. On a eu énormément de très bons retours cette année. Alors on avait l'impression, parce que l'année d'avant, on avait eu énormément de très bons retours aussi sur l'ensemble. Et là, sur l'ensemble aussi. C'est-à-dire qu'il y a des années où on a sorti 2-3 livres vraiment au-dessus. Là, ça fait 2 années où on a un bloc. Et donc, on cherche. Donc ça, c'est pas une révélation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la nouvelle section soit canon et elle va l'être. Je suis très honoreux d'y participer. Parce que le rôle des seniors dans notre société est essentiel. Je suis moi-même, au regard des statistiques, une senior. Et il y a plusieurs étages dans la vie des seniors et on a toujours tendance à projeter des images un peu clichés sur les seniors. Les seniors sont extrêmement curieux, sont très désireux et soucieux de liens. Ils sont eux-mêmes créateurs de liens, on a beaucoup à en apprendre et je suis très curieuse de voir leur regard sur la littérature et je suis sûre qu'ils vont beaucoup m'apprendre.